travaille toujours. Bah, le problème, c'est qu'il est mis en marchant. Sans problème. C'est bien, hein, déjà. Ouais, c'est bien. C'est un bon début. La réduc se passe bien. Mais ouais, toujours, toujours souriant. Donc c'est, ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Bonne omelette. Tu veux un petit café, mon frère ? Non, ça va. Tu vas à des passes d'aime. Ouais. Bah, j'attends que tu reviennes. Retour à pied, c'est aussi le retour de la vie de groupe un petit peu. Ouais, c'est... c'était mon quotidien d'avant en fait. Je disais que j'étais content de retrouver les copains. Quand je suis revenu de Lyon, ils étaient tous contents aussi de me revoir. Juste de... Même si je me sens à part forcément avec le fait que je ne m'entraîne pas, que je n'ai pas les matchs, les mises au vert, les préparations de matchs, etc. Le fait de me rechanger dans le vestiaire, de les recôtoyer, ça me rapproche du terrain quand même. Même les repas, juste pour discuter, rigoler ensemble, c'est fédérateur, donc ouais, ça me manquait énormément. Moi, je suis très ouvert, donc je parle souvent aussi des entraînements, je demande comment ça s'est passé. J'ai la chance, dans la salle de musculation, d'avoir une vue sur le terrain d'entraînement, donc je peux analyser aussi, essayer de ressentir un peu les joueurs, comment ils sont dans la préparation du match. Et de croiser le coach aussi, de parler des matchs, de faire un retour sur ce que j'ai vu, c'est intéressant aussi. Bien, tu montes, tu verrouilles. Magnifique. Comment ça se passe? Ça va, une petite mise en route avant de passer en salle pour renforcer un peu le genou. De bon matin. Tous les matins le même rituel comme ça? Piscine? Non, ça dépend. Là, c'est comme on commence la semaine, c'était le but, c'était de déverrouiller un peu le genou et les articulations. Maintenant, on est prêt pour aller bosser. Bon contrôle du genou, Max. Ouais. Très bien. Force bien sur ton quad. Ok. Tu me refais juste la marche aller-retour comme ça. Enfin, celui-là à l'aller et les genoux hauts au retour. Prends le temps. Tempo un peu plus lent. Va plus doucement. Très bien ça. Avant-arrière. Oui. Encore deux. Encore un poil plus de maintien si on y arrive. Mais c'est déjà très très bien. Contrôle-le, contrôle-le. Très bien ça. Allez, tiens-le, 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 tiens-le. En redescendant. Contrôle ta descente. Bon verrouillage, bon contrôle. Laisse-le pas partir à l'intérieur. Ouais, ok, très bien. On garde les mollets. Bien. Vas-y, va jusqu'à 4. Contrôle bien ton genou. Parfait. 7. 8, tu t'assois, tu me fais la leg extension, juste ça. Essaye de pas trop monter ta hanche. C'est vraiment juste ton... C'est ça. Tac. Tends bien ici, verrouille bien. Allez, encore. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Merci, monsieur. Ok. Sur ton programme et tes séances, c'est très vite, on retrouve le plaisir de l'effort, j'ai envie de dire. Quand tu es sportif de niveau, on aime ça. Ouais, les premiers jours sont durs. On est très vite fatigué, mais. Plus on travaille et plus on regoute à l'effort. Et vraiment, c'est satisfaisant de transpirer et de sentir l'odeur du travail. La première fois que je me suis vu dans un miroir, de voir le comparatif entre la jambe droite blessée, opérée, et la jambe gauche, c'est dur. Donc moi, j'avais vraiment fait beaucoup de travail de renforcement
au quotidien pour avoir des jambes gainées, musclées, c'est dur. Mais bon, je sais que ça va revenir. J'ai pas de soucis à me faire là-dessus. J'ai parlé chinois. Un, go, allez. Force, force, allez, encore. Allez, pousse, allez, encore, va chercher encore. Et voilà. Allez, vas-y, allez, pousse, allez, encore. Profiter d'un accompagnement personnalisé comme on peut l'avoir ici au Stade Rennais, c'est forcément un atout. Ça oblige à avoir une relation assez proche avec ce staff là, ça change un peu les rapports. Ouais, j'ai toujours eu des bons rapports avec le staff médical, mais là forcément je passe beaucoup plus de temps avec eux et il y a des liens qui se créent forcément, donc c'est positif. Ce qui est bien aussi d'être entouré comme ça, c'est qu'on peut en parler aussi avec le staff, avec Guillaume notamment qui s'occupe de moi au quotidien, de lui faire part de mes appréhensions, et leur but aussi c'est de me rassurer par rapport à ça et de me mettre dans les bonnes dispositions pour récupérer ce qui a été perdu. Là, tu es dans une période où ça progresse vite sur le retour. Il faut se préparer à ce que peut-être ça puisse stagner, peut-être pas aller aussi vite qu'on veut. Ça aussi, ça va demander une force de caractère. Ouais, c'est ce que le staff médical m'a tout de suite prévenu, que j'allais avoir des périodes de progression fortes et des périodes où ça va un peu stagner. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment connu une période où ça stagne, donc je m'y prépare tout doucement. Et je pense que je vais vite le ressentir. Tu te rappelles ce que c'est, ça? Allez. On commence, appui pied droit. Ouais, on peut faire appui pied droit et remise pied gauche. Allez, 10 remises intérieures. La tête. Fais la même chose, mais tu fermes les yeux quand tu as le ballon. Voilà. Descends ton appui sur ton genou gauche. Si t'es vraiment très bon, tu peux me faire contrôle cuisse, remise, coup du pied. Si je suis vraiment très bon. Ouais, ça demande un gros verrouillage en fait, une bonne stabilité sur ton genou. Très bien. Ben bravo. Bonne séance. Et là, comme je remarche que depuis quelques temps, je vais pouvoir peut-être commencer les exercices sur le terrain, mais même si c'est sans ballon, avec les baskets, mais juste de ressentir l'odeur du gazon, ça peut être bien aussi. Ouais. J'ai un petit objectif aussi, le prochain, c'est tu vois, une victoire au Hazen Park, et de pouvoir aller avec les copains sur le terrain, même si je ne suis pas en tenue, de pouvoir ressentir les habitudes que j'avais quand j'étais apte. Après une bonne victoire, fêter ça ensemble, devant nos supporters, ça peut être un beau petit objectif là. Plus il y a des beaux matchs qui arrivent, des matchs importants, donc c'est bon. Mais t'es venu dès que t'as pu au Roazhon Park, il y a forcément une grosse part de frustration. Des fois on se dit, ah, j'aurais voulu pouvoir aider, ou alors dans un scénario positif, j'aurais voulu partager ça aussi avec les copains. Ouais, en plus ça s'est accentué parce que ça a été une période aussi compliquée sportivement en termes de résultats. Et ouais, j'avais envie de passer à travers l'écran pour parce que je voyais des choses, je me dis peut-être que j'aurais pu faire différemment, peut-être j'aurais pu aider, changer le cours du match. Et bon, c'est dur de se dire que ça va durer quelques mois. Ouais, on pense un peu d'abandonner les copains dans ces cas-là. Ouais, ouais, un peu. Surtout qu'on avait, bon, c'est toujours le cas, mais moi je chantais personnellement qu'on avait réussi à créer quelque chose de plutôt fluide cette saison. Et c'est dommage de ne pas pouvoir continuer à contribuer à ça. C'est une bonne façon de t'attraper de l'énergie positive. Puis je pense que les supporters qui puissent me voir marcher normalement et être avec les autres, ça peut leur donner aussi un bon signal.